Mon jardinier. Mon jardinier, mon bon Clément, met des tuteurs au glaïeul. Cette année-là, les glaïeuls font triste mine. Les pieds sont jaunis. Les grandes feuilles, en forme de glaive, retombent. Sans force, ça et là, marbrées de rouge. Et les hanches sortent tortilleuses, montrant les spates roussies par les coups de soleil. Et cela désole mon bon Clément de voir ainsi dépérir jour après jour des fleurs qu'il a soignées lui-même, comme des enfants malades et tous fois impurs, dirait Monsieur Maiseroy. Et il murmure, en mâchant des brins de raffia. Et j'approuve chaleureusement, en les répétant ces exclamations désolées. Et je demande, mais enfin, à quoi attribuez-vous cela, Clément? J'attribue, ma foi, monsieur, je n'en sais rien. Il faut que le diable s'en mêle. Mais quand je pense à monsieur Kenney, à mademoiselle Germaine, ça me rappelle de ces choses, de ces bonnes choses, adieu de Dieu! Et pour me prouver de façon irrécusable de l'excellence du bon des Kenney, jette cette casquette, on l'allait s'arracher les cheveux. Parlez-moi du contact, mon brave Clément. Je plonge les coutures avec quel soin. Il joue du pillon de voir les pétunias pousser. Tout d'un coup, ils ne poussent plus. Et même ils jaunissent. Et à la fin des fins, ils crèvent tous, excepté un seul. Le soir, très tard, qu'est-ce que je vois sur la corbeille de pétunia? Hein? La cuisinière accroupie et qui pissait et qui disait tiens, voilà du malheur, tiens, voilà du chapitre. Et cela faisait un petit bruit semblable à celui que fait la pluie qui sort d'une gouttière. I'm sorry.